À Monsieur Colas. Oui, merci, Monsieur le Président. Europe Écologie, Les Verts. Comme d'autres viennent de le dire, le débat que nous avons aujourd'hui porte sur l'enquête publique des itinéraires d'accès français à la liaison transalpine Lyon-Turin. Celle, l'enquête publique du tunnel international, est terminée depuis bien longtemps. Le Conseil régional Rhône-Alpes va donc émettre un avis sur cette enquête en cours et vous nous demandez de nous prononcer sur cet avis que vous nous proposez et qui fait 11 pages. Ce projet d'avis contient de nombreux points qui nous satisfont pleinement. La nécessité d'une véritable politique nationale de report modal, l'internationalisation de tous les coûts externes, la nécessité de réalisation du CEFAL et de solutions pour le nœud ferroviaire lyonnais. En effet, alors que le Lyon-Turin est un projet qui ne date pas d'hier, d'autres l'ont rappelé avant moi, alors que d'autres projets de fret ferroviaire sont en cours, alors que la France a pris des engagements internationaux et des lois à l'échelon national, un véritable report modal massif a eu lieu depuis 10 ans, mais à l'envers. Du rail vers la route, des trains vers les camions. Le fret ferroviaire a été divisé par 3 entre 2000 et 2010, passant de 60 milliards de tonnes kilomètres par an en France à une vingtaine aujourd'hui. La politique d'État et de son bras armé SNCF y est pour beaucoup. En 10 ans, le service public de transport ferroviaire de marchandises a été totalement démantelé, détruit, anéanti. L'ouverture à la concurrence privée est un échec total. La généralisation récente des 44 tonnes poids lourds est le dernier coup porté contre le ferroviaire, Antoine Fatiga l'a dit avant moi. Alors il est grand temps de faire enfin cette véritable politique nationale de report modal, mais dans le bon sens, et nous sommes d'accord. L'internalisation des coûts externes en est un des principaux outils. Il ne s'agit pas de taxer le routier, ni de lui faire payer une contribution carbone ou climat, vous l'appelez comme vous voulez. Il s'agit de le faire payer à son juste coût, et de cesser de le subventionner très largement, afin de respecter les fameux principes de cette prétendue concurrence libre et non faussée. Savez-vous que chaque année, l'État français demande aux impôts et aux cotisations sociales des citoyens français de payer 70 milliards d'euros de subventions à ce transport routier? 70 milliards d'euros! Vous imaginez la richesse de la sécurité sociale ou de notre déficit budgétaire si la route payait le vrai coût? Et là, il n'est question que des coûts externes, pas des coûts d'investissement et de maintenance des infrastructures. Savez-vous que la redevance poids lourd pour les prestations, la fameuse RPLP suisse dont on parle tant, ne représente que le 1/7 de ces coûts externes? Et pourtant, en France, on en rêverait, puisque le projet de l'État, c'est encore 8 fois moins que la redevance suisse, soit le 1/60 des coûts réels que la route engendre. Enfin, nous sommes aussi inquiets, pour le CEFAL, le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise et le nœud ferroviaire lyonnais. L'État a fait un très mauvais choix pour le tracé du CEFAL Sud, risquant de remettre en cause sa réalisation. Il nous a avoué en commission transport la semaine dernière avoir pris du retard pour la réalisation de ce contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise et avoir 3 ans de décalage entre les 2 tronçons, alors que nous réclamons tous depuis le début la simultanéité du Nord et du Sud. Pour le nœud ferroviaire lyonnais, rien n'est encore décidé et le rapport de Marilyn Mau qui vient juste de paraître, et donc du coup, ni à court terme ni à long terme, nous avons des engagements, ni des engagements financiers, ni des engagements de réalisation. Par ailleurs, d'autres points de cet avis nous satisfont beaucoup moins. Vous nous parlez effectivement dans cet avis du développement de l'Europe de la grande vitesse, voire de la très grande vitesse, d'importants gains de temps de parcours voyageurs entre Satelas, Lyon et Paris, et du développement du pôle métropolitain sillon alpin. Vous faites en effet allusion à une très grande vitesse. Nous ne partageons pas l'idée fausse qui a mené la politique transport de la France depuis près de 30 ans et qui dit que sans la très grande vitesse, il n'y a point de salut. Des projets de lignes à grande vitesse à 320 voire 360 km/h qui ingurgitent des dizaines de milliards d'euros, on en a tout le tour du SNIT pour rester courtois. Alors que des lignes ferroviaires classiques permettant des circulations entre 200 et 240 km/h satisferaient l'immense majorité des besoins et coûteraient 10 fois moins cher, ce qui permettrait d'en faire 10 fois plus avec le même budget. Et vu les milliers de kilomètres de lignes en retard pris par la France et les restrictions budgétaires, nous estimons qu'il faut avoir d'autres priorités dans les investissements publics que la très grande vitesse, qui sert surtout les trajets professionnels des cadres et les loisirs. En matière de transport public, spécialement, le luxe n'est pas la panacée. Vous espérez d'importants gains de temps de parcours pour les voyageurs entre le sillon alpin et Saint-Exupéry, Lyon ou Paris. Nous préférerions des gains de temps de parcours honnêtes, mais surtout
des gains énormes en termes de fiabilité et de régularité. Enfin, le futur potentiel pôle métropolitain sillon alpin ne suscite chez nous qu'une opposition résolue, tant les pôles métropolitains nous semblent contraires au fait régional et à nos valeurs, et tant ce territoire, d'Annemasse à Valence, ne nous semble pas relever d'une grande cohérence territoriale, pour rester dans l'euphémisme. Enfin, certains points de cet avis nous semblent pour le moins discutables au regard des documents présentés par l'État pour l'enquête publique. Tout d'abord, l'avis que nous votons ce jour est-il exprimé en toute connaissance de cause, comme cela doit être la règle. Il est difficile de le soutenir, puisque les documents papier de l'enquête publique, soit une valise de 25 kilos, n'ont pas été fournis en consultation aux élus. Et ceux qui sont en accès libre sur le site internet ne comportent pas toutes les pièces, et en particulier la pièce essentielle, le cahier G, de l'analyse socio-économique. Nous sommes donc, nous, allés les consulter en nous déplaçant en préfecture et en mairie. Combien d'entre nous qui votons aujourd'hui ont fait cette démarche d'accès à l'information préalable à la prise de décision? Or, cette étude socio-économique contient des données surréalistes, voire très inquiétantes et contradictoires avec ce que vous nous dites. Trois perspectives économiques sont présentées. La plus négative, dite du choc permanent économique, prévoit quand même une croissance moyenne du PIB de 1,4% par an sur les 40 prochaines années en France. Le prix des transports aériens et en véhicules routiers sont estimés stables jusqu'en 2035, avec un prix du baril du pétrole fixé à 65 euros en 2020 et 86 euros en 2035, sachant qu'en 2011, il a fluctué entre 75 et 90 euros et qu'il a été multiplié par 4 ces 10 dernières années. On se demande qui a fait ces prospectives. Ce n'est plus de la prospective, mais de l'inconscience ou de l'euphorie due à l'abus de substances hallucinogènes. L'autorité environnementale elle-même, dont il a été question tout à l'heure, avait demandé dans son avis une actualisation de ces données. Elles n'ont pas eu lieu. Vous nous dites que ce projet permettra de diminuer le nombre de camions circulant dans les Alpes et d'améliorer la qualité de l'air dans les vallées et stations alpines. Cela ne peut être que louable, mais les documents de l'État que vous approuvez, auxquels vous faites référence, n'envisagent pas du tout cela. Au contraire, il prévoit une croissance forte du nombre de camions sur les routes alpines, au total plus 720 000 poids lourds par an sur les tunnels de Fréjus et du Mont-Blanc, soit une augmentation de 50% supplémentaire. Voilà ce qui est dans le document sur lequel vous nous demandez un avis. Enfin, les écologistes se sont battus pendant des années pour faire évoluer ce projet dans le bon sens, depuis plusieurs mandats. Au début, nous étions un peu seuls à réaffirmer qu'une ligne grande vitesse Lyon-Turin n'était absolument pas justifiée au regard de son coût. Il en a fallu des débats, des actions de nos élus pour convaincre largement que la justification tenait dans le report modal massif du transport de marchandises. Enfin, comme vous l'avez dit en 2007, un consensus se faisait, et je souhaiterais d'ailleurs saluer les élus régionaux de l'époque. Ce protocole de mars 2007 actait la priorité fret, l'inutilité de la troisième ligne ferroviaire à grande vitesse ou à très grande vitesse, et surtout la possibilité pour un maximum de marchandises d'éviter le passage le long du lac du Bourget et à travers Chambéry. Puis en 2009, tout était à nouveau brouillé. Une idée géniale venait de surgir, les Jeux Olympiques d'Annecy. Du coup, il fallait remettre le voyageur en priorité première. Le projet changeait réellement de sens et je ne ferai pas référence à la session d'assemblée plénière de juillet 2007 que tout le monde a en mémoire. Les Jeux ont eu le succès que l'on sait, mais malheureusement, la priorisation n'a pas changé depuis la chute du projet d'Annecy dans le lac. Et le projet qui nous est soumis aujourd'hui, c'est toujours une priorité voyageur. Le tunnel de Dulin et l'Épine est toujours en phase 1, le tunnel de Chartreuse en phase 2. Nous sommes échaudés et nous craignons à juste titre que les aménagements fret soient encore repoussés au calende. L'avis qui nous est proposé ne nous paraît pas assez clair à ce sujet. Du coup, et c'est ma conclusion, le groupe des élus Europe Écologie Les Verts, la région Rhône-Alpes, s'abstiendra sur cet avis qui nous est proposé, considérant que si un certain nombre de points de cet avis sont satisfaisants, d'autres nous posent réellement problème et certains documents de l'État soumis à cette enquête sont faux et auraient nécessité des critiques beaucoup plus fortes. Nous considérons par ailleurs qu'il n'est pas possible d'améliorer cet avis par amendement et le groupe des élus Europe Écologie Les Verts à la région Rhône-Alpes déposera son propre avis pour cette enquête publique. Merci. Merci. Madame Laclais.